Get high, Paul. Hey yo, salut les campus, c'est Tiba, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien ce matin. Alors on se retrouve pour un nouveau Let's Strike. C'est parti, j'envoie la sauce. Alors petit rappel, on va éviter les clips qui dépassent la minute, hein. S'il vous plaît les gars, sinon c'est un petit peu long à commenter. Allez, on est sur la map Red, la petite frag sur la droite qui va passer. Oui, boum, bim, bam, boum. Angle First qui fait donc son first kill à la frag. Et voilà, en passant un petit coup sur la gauche avec la mute, il a donc pété le deuxième. On reload un petit coup. Bien joué. Alors, il va couvrir le porteur de bombe qui regarde donc sur la gauche. On couvre les arrières. Et oui, il y a un ennemi qui est venu pour les rusher. Bien joué à toi. Tu l'as bien pouné. Voilà. Comme d'hab, c'est un petit tir no safe, mais c'est pas grave, ils sont deux encore pour pécho le dernier. Alors il a bien scopé l'entrée, mais puis il se dit, mais what the fuck, par où il est passé le gonze là? Il est pas à l'entrée, il est pas à gauche. Ah, hop, 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 et si. Tu t'es fait pouner, bien joué, tu l'as pas lâché. Allez, c'est parti, comme vous pouvez le voir, on est donc cette fois-ci à la haine. 94 à la N94. Attention, on est en défense. La petite parade dans le bordel, il y a de la fumée, mais c'est pas grave, on balance là-bas dedans. Il n'y a pas eu dit marqueur. Et oui, il y a un cochon qui arrive et qui saute. Voilà, il y a que des lapins dans ce jeu. Tout le monde saute. Toujours comme ça, face à face. Toi aussi, tu dégages. On reload. Attention, toi, tu m'as pas vu. On drop, ça rentre. Qu'est-ce qu'il y a? On reload encore un petit coup. Allez, on passe maison bois pour faire un petit tour du côté du spawn ennemi. On regarde à droite, à gauche. Il n'y a personne. Et oui, regardez la minimap, un petit. Oui, oui, le petit point rouge. Le petit point rouge. Et ben voilà, le petit point rouge, il a disparu. Bye, bye. Et bien voilà, on se retrouve sur une map que je déteste. Je ne peux pas me la dicave, mais c'est un truc de fou. Je peux pas me la voir, cette map. Aftermath. Aftermath. Alors, j'ai aucun tracé, j'ai rien sur cette map. Mais lui, visiblement, ça va bien lui réussir. Parce qu'il va déjà pouner le premier ennemi. Oui, on jump. On est tous des lapins. On jump. Ah oui, il était encore dans son spawn, le sniper, comme d'habitude. Hein. Ils sont toujours à squatter dans leur spawn, au cas où il y a quelqu'un qui vient les rusher. Et puis voilà, il s'est rendu compte qu'au bout d'une trentaine de secondes ou une vingtaine de secondes, il n'y avait personne. Et il s'est fait pouner. Voilà, on a donc le deuxième qui s'est fait éclater près de la bombe numéro... Il n'y a pas de numéro, qu'est-ce que je raconte? La bombe là, la bombe B, tout simplement. Quel numéro? Il n'y a pas de numéro. Alors, là c'est la chasse. La chasse au lapin. C'est la chasse au lapin. On l'a raté dans le dos, mais on va le pouner quand même. Voilà, le petit saut, comme d'hab. Attention, la bombe a été posée sur A. Alors, il m'a fait un petit montage avec des avances rapides et tout, t'as vu? Hop, tu dégages, fin de l'histoire. Si Doc 34, ça dégage. Voilà, tu peux désamorcer tranquillou. Bien joué à toi pour ce joli strike, man. Bombe désarmée. Allez, c'est parti. On est sur cargo. On est sur cargo. Alors, c'est parti. Vous avez vu, petite avance rapide. Pourquoi? Bah tout simplement pour zapper le début qui servait pas à grand chose. Bien joué le jump qui passe. Ça jump. Moi aussi je vais en prendre une là, des manettes chibrées là, à 100 balles là. C'est pas possible ça. Allez hop, toi tu dégages. Ah, vous avez vu la petite animation là? Vous avez vu la petite animation? On avait l'impression qu'il était en train de viser un oiseau l'ennemi là. C'était bien chelou. Alors dans ce coin là, ça c'est un coin qui est plutôt apprécié des mecs qui jouent en recherche. Hein. Il est très très connu. Bah, voilà, vous pouvez le voir. Hein. Une ou deux balles dans les fesses. Vous avez vu par où il voulait monter. Allez, il a le temps de poser la bombe. Il a débloqué son RCXD. Puis il va fouiner dans la zone. Hein. En général, quand quelqu'un pose sur B, ben, il va squatter là où ce jeune homme squatte. En général, c'est comme ça. Et pourquoi t'as pas regardé? Pourquoi t'as pas regardé? Ben oui, il fallait regarder. Il est connu par tout le monde, ce spot, mon ami. C'est le plus peut-être des spots sur cette bombe. T'as même pas regardé. Ben bravo. Au pire, même si tu regardes pas, tu balargues une petite para random comme ça, là-bas dans le bordel. Hein? Allez, c'est pas grave, c'est parti, on est sur Meltdown. Alors là, attention, pousse-toi devant. Meltdown MSMC avec le viseur. Comment je pourrais qualifier? Parce que je connais le vrai nom hein, du viseur, mais j'ai pas envie de le donner. C'est un viseur que j'ai vu sur un stream lors de compétition récemment. Waouh, attention, ils prennent le viseur du Fifou, hein. Ça, c'est le viseur de Fifou. Allez, ça dégage. Flashoni, t'as flashou... Non, t'as rien flashouné du tout, t'as juste pouné.
Fin de l'histoire. Alors, vous avez vu avec ce viseur, je ne saurais le qualifier. Vous voyez quand on scope ce qui se passe? Vous voyez un petit peu les petites lumières? Vous voyez un petit peu? Oui, oui. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh my God. Eh bien, on va le dire. Oui, bah, on va le dire. Je déteste ce viseur, mais bon, c'est un strike quand même. On va le féliciter, le jeune homme. Félicitations à toi, quand même. Hein? Sur Meltdown. Oh mon Dieu, ce viseur, j'ai envie de... Il me rend fou. Je suis trop fait péter par ce truc. Allez, on est encore sur Red. J'ai beaucoup de strikes sur Red. Et c'est Rajnicker, cette fois-ci, qui a déjà puni deux des ennemis dans le spawn. Allez, on reload. Un petit coup, let's go. Cette fois-ci, on est en défense, mais on attaque. Oui, ça, c'est du rush. Ça, c'est du rush. Ça, j'adore ça. Voir des gameplays où on rush chez l'ennemi comme ça. Bien joué déjà. Trois ennemis. Pouné. On va faire un petit tour du côté du garage. On ne sait jamais, hein, parce qu'il y a toujours un mec qui reste dans son spawn en recherche et destruction. Voilà, on fait un petit tour à gauche, à droite, on regarde, et mais on l'avait pas vu celui-là. Allez hop, ça dégage dans le dos. T'achètes un petit peu, Nicker, là, hein, je te l'avoue, hein. Tu le sais toi-même, t'achètes un petit peu. Allez, on reload un petit coup, on va faire un petit tour du côté de la maison sniper, le tir no safe. Et bah oui, no safe, pourquoi? Parce que t'étais pas sûr de le buter, t'as tiré quand même, tu as alerté les ennemis. Allez hop, et un, et deux, mongol, et un, et deux, mongol. Il n'y en a pas un qui a été capable de péter, mais bon, félicitations à toi quand même, Nicker, c'est un joli strike. Allez, voilà les enfants, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas. Allez, salut, bye bye.